C'est ça, merci Marie Zapin pour avoir invité, pour l'apprécier. On risque de passer pour peut-être un autre malheur du panel. Mes questionnements aujourd'hui ne concernent pas tant les conditions de création de l'université franco-ontarienne, mais bien les conditions de son établissement. Parce qu'il y a un constat en même affaire, il est sans appel. Après tant d'années d'efforts investis dans la mobilisation, tant chez la jeunesse étudiante, porter le projet, chez les professeurs, de leadership associatif, après tant de rapports, de documents de travail, de plans de mise en œuvre, d'avis juridiques, de colloques, de forums, de tables rondes, d'articles scientifiques, d'articles de journaux, d'éditoriaux qui nous ont présenté tous les arguments valables, après tant de lobbying mené auprès du gouvernement ontarien, que ce soit par le biais de la Société universitaire de langue française de l'Ontario ou encore par le Conseil de l'éducation et de la formation franco-ontarienne. Pourquoi diable l'Ontario français n'est-il toujours pas son université française? Bien sûr, il faudrait ici évoquer le contexte particulier de la fin des années 80 et des années 90, alors que l'université franco-ontarienne, l'idée de l'université franco-ontarienne semblait à portée de main. L'Ontario français, à ce moment-là, frappait deux murs. Le premier, c'était la récession, une des plus difficiles que l'Ontario a connue depuis la récession des années 30, la crise des années 30. Et l'autre mur, c'était bien sûr Mike Harris, avec sa révolution du bon sens. Et l'Ontario français s'en est évidemment ressenti. Mais au-delà des conjonctures, au-delà du contexte, j'en suis même demandé s'il n'y avait pas peut-être une explication sociologique derrière l'inaboutissement de ce projet dont on parle, comme Serge le dit, depuis la fin des années 60. N'y a-t-il pas des raisons profondes qui nous permettent d'en comprendre l'échec à ce jour? L'université franco-ontarienne, encore projet, encore utopie, serait-elle l'un de ces miroirs grossissant certaines de nos faiblesses et de nos défis pour la vie? Je ne suis pas encore certain d'avoir trouvé la réponse à cette question, bien que je compte vous risquer. Entre-temps, une chose reste claire dans mon esprit, c'est qu'il faut radicalement se la poser cette question-là, si l'on souhaite relancer un débat, une mobilisation pour le projet de l'université française. Il faut, me semble-t-il, faire un bilan sérieux de nos erreurs, de nos errements, reculer un peu pour nous sauver. À savoir donc s'il y a des raisons profondes, structurantes, qui nous permettent d'expliquer l'inaboutissement du projet de l'université française, je dirais oui. Et il me semble y en avoir trois qui se dégagent des autres. Première raison, je crois qu'il y a de nombreuses personnes qui manifestent encore un attachement profond envers les institutions bilingues. Qui croient encore aux vertus du modèle d'intégration et rejettent le modèle d'autonomie. C'était d'ailleurs l'une des principales sources de division au sein de la communauté dans les cours des années 90. Il y avait notamment une polarisation entre Ottawa et Sudbury sur cette question-là, principalement parce que le bilinguisme se porte mieux à l'Université d'Ottawa, bien que tout est relatif, et aussi parce que il y a beaucoup de Québécois à l'Université d'Ottawa qui, lorsqu'ils s'intéressent à la ontarienne, soit qu'ils comprennent mal les besoins, mal les enjeux, mais reste que l'Université d'Ottawa a toujours été un peu en retard pour l'Université Laurentienne dans ce débat-là, et on voit très bien quand on regarde un peu les archives de l'époque. Bien que je crois que le projet de l'Université franco-ontarienne a gagné en légitimité aux yeux de plusieurs représentants de la communauté, il faut le dire, et encore, je crois un effort de persuasion à faire quant au bien fondé des principes d'autonomie institutionnelle et d'autogestion. Cet attachement-là aux institutions bilingues, il est compréhensible. On a eu exactement les mêmes débats, les mêmes valses d'hésitation à la fin des années 60 quand on a mis en place le projet d'école publique en langue française. Plusieurs représentants, plusieurs redoutaient alors, comme aujourd'hui, le risque, la part d'incertitude qu'il y avait à s'engager sur la voie de l'autonomie. Mais cette réaction-là n'est pas forcément à condamner. Je pense qu'elle s'explique surtout par un instinct de conservation, par conscience de la fragilité, la précarité de notre situation qui en résulte en un scepticisme face à tout changement d'ampleur. Il y a donc encore, comme je le disais, une pédagogie à faire au sujet de la nécessité profonde de l'autonomie institutionnelle en Ontario. Deuxième raison. Je pense qu'une part de l'échec jusqu'à présent de créer une université française en Ontario tient peut-être au rapport conflictuel qu'entretiennent certains leaders de la communauté avec l'institution universitaire, plus précisément avec la parole universitaire et la parole intellectuelle. François Paré, qui est professeur de littérature à l'Université de Waterloo,
disait que les cultures minoritaires se méfient comme la peste de la parole unique, surtout si elle prend sa source dans un milieu universitaire. Premièrement, je pense que comme Paris, ça tient principalement au fait qu'historiquement, la population franco-ontarienne a été exclue du milieu universitaire. On lui en a socialement refusé l'accès, et ça pour diverses raisons. Ce n'est que depuis tout récemment que les franco-ontariens intègrent le milieu universitaire. Et tout ça, je pense, crée un rapport malaisé avec l'institution, entretient une amertume qui puise dans une longue histoire de marginalisation. Deuxièmement, je pense aussi que certains leaders de la communauté, et là je me base surtout sur mon expérience avec la francophonie à Ottawa, plusieurs de ces leaders acceptent mal le fait que ce sont bien souvent les universitaires, les politologues, les sociologues, les juristes, voire les historiens parfois, qui ont la parole publique, qui ont le micro des médias, qui ont l'attention des médias. Il y a aussi, surtout, chez la génération qui a vécu les années 60 et 70, très souvent, un rejet de l'autorité intellectuelle, voire même le refus de penser toute forme de verticalité dans la collectivité. Et tout ça entretient des rapports parfois acrimonieux entre la communauté et le milieu universitaire, qui ne nous aide pas du tout ici. Je pense que le succès de l'université franco-ontarienne passe par un rapprochement entre la communauté et l'université, le milieu des universitaires. Et vraiment, c'est important de dire que ce débat-là de l'université française doit se faire à l'échelle de l'Ontario français. Il faut à tout prix éviter de le confiner strictement à la sphère universitaire. Troisième raison que j'évoquerais, et là on tombe presque dans l'inconscient collectif, et ça rejoint à certains égards ce que Stéphanie disait à propos du volontarisme, vouloir vivre collectif en tant qu'Ontario. Je ferai mienne cette citation du sociologue acadien Joseph Ontario, qui a un jour écrit en parlant de l'université acadienne, qu'il faut se croire une société pour avoir la prétention de pouvoir s'offrir une université. Autrement dit, le pari de l'université unilingue française est, à mon avis, indissociable d'une ambition de faire société, comme le disait encore une fois Ontario. Autrement dit, ce projet d'université ne peut être viable que s'il prend racine dans un profond désir de s'afficher comme une minorité nationale qui aspire à son développement intégral à titre de membre à part entière de l'un des deux peuples fondateurs. Cela en vient à dire que l'institution universitaire, dans toute sa complexité, sa diversité et ses dispositions, ne peut être le fait d'une communauté parmi d'autres de la mosaïque canadienne, mais bien le propre d'une société particulière qui tire sa légitimité de son poids historique, de sa profonde singularité, de sa différence radicale. Ainsi, l'université française en Ontario est-elle encore possible? À cela, je répondrais qu'il faut d'abord se demander si les franco-ontariens ont encore aujourd'hui le réflexe de se percevoir comme une collectivité qui aspire à être davantage minorité comme les autres. Poser la question de l'université française en Ontario, c'est d'après moi, poser à la collectivité franco-ontarienne la question la plus fondamentale pour elle, est-ce une collectivité qui cherche toujours à évoluer dans une logique sociétale, voire nationale? Ces leaders sont-ils encore capables de traduire ces aspirations dans une grammaire culturelle et politique qui soit héritière de la grande aventure du Canada français? Sont-ils encore en mesure de nommer cette aspiration sociétale, de revendiquer la singularité culturelle et historique qui a fait l'Ontario français, qui puisse trouver au sein de l'institution universitaire le support nécessaire pour l'entretenir et la transmettre? Je pose la question de manière un peu tendancieuse, sans y répondre totalement, et en disant que l'université franco-ontarienne, à mon avis, n'est possible que dans une culture franco-ontarienne qui est globale, qui est pleine, qui est auto-référentielle, et non pas dans une culture franco-ontarienne qui est étrangère à elle-même, qui se représente comme le fragment de quelque chose d'autre qui lui serait supérieur. Vous l'aurez constaté, je suis venu ici en apportant davantage de questions que de réponses, davantage d'analyses que de prescriptions, mais je pense qu'il est nécessaire comme collectivité de parfois se mettre à distance par rapport à nous-mêmes, de se contempler avec un regard lucide, en espoir peut-être d'arriver à mieux cerner les tâches que nous avons à entreprendre aujourd'hui. Désir de continuer la discussion. Merci.